Zed il peut se faire counter par des items comme la QSS, comme le Zonia, mais là quand c'est si tôt dans la partie, il n'y a pas vraiment de solution. Et même un item ouais, comme ça, tu fais ça vraiment, regarde pas généralement trop tard, et là les gars ils font des gars sur la carte en game, et là même elle. Ouais, il part sur la en plus il a 0-2-0 à l'équipe. Je prends un mouchoir. Qui va donner un power spike très très late, il est trop late là-dessus. Oui, il a tout bouffé. Putain, non, pas encore. De c'est une boîte de 3 frais, je peux comprendre. Ouais, grave, tu vois, ça pèse. Non, mais ce qui est sur ton écran. Tu vas y faire un peu. Ah ouais, je l'ai lâché. C'est bien. C'est la même chose. Je te vois bien le mec coup de langue à l'écran. Pour les Memoria, et déjà, pour des équipes très coordonnées, c'est très difficile de turtle à partir. Il m'a pas vu le brin. Et le dépôt n'est pas exceptionnel hein, dans... Ou alors il t'a vu, il a fait exprès. Donc si vraiment on a une chance... J'opte pour la deuxième. Et encore c'est rien. C'est mal, mais pour vraiment des pushes, il faut utiliser un coup de mantra, je répondrai pas. Puis il a pas encore le Luden, avec, généralement ça part sur un Luden quand on joue les karmas. Mais là sans le Luden c'est... surtout pas le pénal. Il va refaire la même qu'avant, tu vas voir. Il sait que s'il s'approche et qu'il est hors de portée de sa tour, il se prend, il se fait atomiser. Refait ta passe au bot, bâtard. Par Z, le gang, d'Albertil, sur la top lane, double stun d'Arcadis. J'ai failli alt F4, lancer le jeu et le virer alors qu'ils sont encore en match. Bien, dodge l'ultimate, mais est-ce que ça va être suffisant? Rip qui est en train de lui coller au basket, mais l'arrivée de Pandora, c'est très bien fait. C'est peut-être le moment, le comeback là-dessus. Le flash de Tassadar. Albertil qui va tomber. Mais putain, il pourra qui? Il pourrait essayer de lock Rip, il a plus de mal. Il a pas besoin, autant pour moi, Signa. Et le double jump, le saut d'illumination, le saut d'illumination. Je me suis pris trop loin de merde. Tu peux toi, les dégâts de Malaya avec le heal en plus. Oh, vas-y, Malaya, putain, le stun. Oh là là, le génie de la Kinred. Le triple kill, il a super bien joué avec son repos d'agneau là de counter l'ultimate de Z. Il a des types à tous les poteaux. Il a baladé complètement. En fait, à la base, j'aurais dû tirer direct parce que je voulais la mettre à terre, contourner le mur à terre. Mais là, il a décalé le mur complètement à droite. Je sais pas s'il va partir sur une épée courte, ouais. J'imagine. Il va partir sur une épée courte, l'épée longue, pardon. Du coup. Parce que quand tu sais que le type en fait sa frappe puissante, tu fais quoi. Bon, en tout cas, ça. Ouais, mais d'origine, c'est pour la passer au mur. La passer au mur pour anticiper une rapière. Dévoreur, ça va pouvoir stack rapidement. Surtout quand tu m'as mis le cachet de coteau. Qu'est-ce que tu fais, Il faut qu'on fasse peur. Bah, ok, il faut cancel. Attention, t'as dit qu'il y a le plus spell qui est raté. Ah, ça peut coûter déjà rien, l'ulti. Pour Kajiri, non, c'est bon, on devrait pouvoir disengage sans trop de problèmes. On essaie de rentabiliser la téléportation pour Artanis. Au moins, on pas si sûr de ce que tu dis. Ouais. Après, Artanis, il est encore à peu près bien dans son match-up. De toute façon, il a toujours l'avantage sur un Maokai. Sur la midlane, il y a quand même un petit retard en farm pour Malaya là-dessus. Et on va faire un Drake avec Fangrod qui est là aussi en soutien. Il a terminé son dévoreur et ses bots de célérité. Il est très très bien dans la game, lui. Ça va lui faire du bien, en plus ça va accélérer. Kajiri le flash in, ultimate. Artanis qui est pris, l'ultimate de Janna, Malaya. Qui a tombé, mais Malaya il se fait plaisir. Il se fait plaisir. Oh, Kindred bah, n'a pas son repos d'agneau. Et Kindred va. Je pense en tout, moi je un Ace en faveur des Playmobil. Erexi le flash in avec le spell shield du mantra Q de la Karma. Bon, très, très faut pas louper d'eau. Un carton plein pour les. Pour les Playmobil là-dessus, ça sent la conférence. J'ai confiance en toi. Bah, il s'était épuisé sur le fight précédent. Il était dans une mauvaise position là-dessus, les Memoria. Ils l'ont payé cash. Et du coup, on est à 5k gold à 10 minutes. C'est beaucoup. J'ai confiance en toi, c'est en ton tag que j'ai pas confiance. Surtout, c'est le snowball qui fait peur. C'est un Z, ça peut emballer la partie. Ils peuvent tous snowball, hein. Ils sont tous bien. Pute. Ça, c'est un snowball général. C'est plus un snowball, là, c'est une avalanche, hein, cette game. Attention la creek. Ah c'est parti. C'est parti. On pourra pas faire grand chose. Rixi attention. Allez, je dis ça pas du tout. Avec lui en plus. Ça manque d'un crit ça. Pour Rixi. Ouais. Mais là le dive sur Raya mort. Il peut rien faire. Le flash out. L'ultimate de sur la Karma, le shield Karma, derrière le disengage. Ah, c'est bien on avait vu le décalage un peu d'Artanis qui venait au secours de son mid laner. Pendant ce temps-là, l'interception sur Fangrod. Mais là, son ulti, Fangrod, c'est à son ulti à pouvoir tempo. Exactement, est rentré dans le tas. L'ulti qui va essayer de se retourner. C'est les renforts qui sont là. Il n'y a rien pour disengage. Kajiri peut-être un ulti. Non, on est en cooldown. Ouais. Attention, le flash in. Flash tornade de Kerrigan, est-ce qu'on va réussir à se prendre le kill sur Kajiri, la marque de Kindred, le Kajiri qui tombe. Malaya sur le côté, le repos d'agneau. Malaya il fait un carton à la sortie du repos d'agneau, quoique Fangrod, non il va même pas tenter, ils sont full life.
Est-ce qu'il avait son. Ouais, il avait son. Oh, putain, alors, il utilisait l'ultimate sur la Therma et le shield qui absorbe les dégâts du Z. On va leur draper. Ils sont pas comptabilisés dans le top de la marque. Ok, bah, aucun dégât quasiment. On est déjà à 20 kills à 11 minutes de jeu. C'est une partie qui bouge, ça me fait plaisir. J'adore les équipes qui jouent comme ça. Ouais, je crois que c'est plus de kills que dans la game de 76 minutes de ce matin. Malheureusement. C'est dur. C'était quelle game? C'était la game qu'on avait commenté de la DLPL. Je crois avec les Master 3. Ça me dit rien. 55 minutes, 5 kills. Ah, ça fait mal. Ça veut dire qu'il y avait 2-0. Les 3 premiers kills que prend l'autre équipe, ça leur permet de finir la game. Oh, putain, je sais pas où elle passe. 3 kills. Vous avez perdu 1 heure de votre vie. C'est ça. C'est super dur. Bah, une dernière. Je l'ai revu, la game la plus pourrie de la vie. Franchement, le BO avec 3 games de 1 heure qu'on avait fait un matin, je crois que c'était avec Chips, on a eu des BO de merde. Ouais, cette saison, il y avait eu un sale BO comme ça. Pas assez fort. Putain. Et du coup, l'écart en gold, c'est bien réduit, 4k gold. Enfin, c'est bien réduit, c'est pas accru. Légèrement réduit. Non, mais ça fait vraiment lieu dans cette game, tout est possible. C'est tellement la folie. Entier. Les joueurs tentent tellement des ouf de fou furieux, tout le monde essaye de casser la game. On a essayé. J'étais trompé. Tenir eh bien toute la game, c'est Fangrot. Ouais, Fangrot avec sa Kindred, impeccable, 5-2-2 pour l'instant. Il est. Il faut ralentir, c'est horrible. Donc attention, je quand même, ça pas forcément le même potentiel de Karim. J'ai eu l'aventure. Il y a un Z, il pourra pas faire ça toute la game. Rexy qui a été pris à partie par le Twitch. Mais pas de problème, Kajiri aussi qui a pris beaucoup de dégâts. Peut-être le moment d'essayer de push cette mid lane. Je suis là-bas. Ouais, mais le flanking, il est vu par la Pink Ward. On va se mettre la pression pour les Memoria. Avec un petit peu de poil, de cette Karma. Faire de la rotation pour Malania. Non, vous voulez gagner. Bon, vous pouvez tenir sans mort, vous avez une civière. D'ailleurs qui va partir sur quoi on est. Triple épée, la dague de je ne sais plus quoi, vitesse d'attaque. Non, j'ai oublié le nom. Bah, ce sera un danseur fantôme, je pense. Oh non! Ouais, non! Statique sur Sivir. Non! C'est débranché. Oh non! Oh putain! Avec le clavier! Je peux pas! Encore plus! Non, je peux pas! Malaya, le dash, il est pas touché par les shurikens, c'est bien joué! Shuriken, ça prenait le kill! Ah, clairement! C'est bon, j'ai récupéré, puis putain, juste à moi qui tire tout seul! Mais la troisième marque sera stackée et ce sera un Z. Le problème c'est qu'après on a que deux blocs. Content quelque chose sur la mid lane pour les Playmobil. Ah merci. Pas loin de ton. Ah non, c'est bon. Ouais, bah. Le tente. C'est pas long. C'est ce que je dis quoi. Il a plus son flash. Artemis qui fait un flash un petit peu. C'est que j'en aurais pas eu une fille. Et du coup, on va quand même pouvoir du côté des Memoria. C'était plein de bonne volonté. C'était très très brave. Il est horrible ce skin de Maokai. Je suis absolument. Allez, super, tu peux rater. Je comprends rien de ce que c'est. C'est une sorte d'espèce de chat bâtard. À gauche. Sécurisé par Memoria. Pendant que Artanis. Ah, t'as vu, j'étais à gauche. À gauche. Bah ouais, à ta gauche. On a pas fait de on a attendu de gratter au moins la moitié de cette tour. Voilà, même deux tiers de cette tour. Je sais pas pourquoi je suis en clairbot, ils vont faire de la merde. Instant, l'ultimate de la cigarette est claqué, derrière on claque, le shield de zone rien mort qui est engagé alors par le flash route de Free, le repos d'agneau, ça va peut-être perdre. Repos d'agneau, ça va temporiser, mais derrière par contre on va continuer. Non, je sais pas, je suis allé poser quoi. Et après on se demande pourquoi je veux pas aller au pédo quoi. Putain. Qui est le flash out du Tennis qui est encore là éventuellement, mais ils sont 5. C'était sûr et certain. Ils veulent se venger, ça fait quelques minutes qu'ils sont en train de trop. On va essayer de push. Artani est en train de dégager un ulti pour essayer de dissuader un peu. Attends, c'est pas fini, attends. Allez, le roux. Vas-y, le roux. Vas-y. Ouais. C'est une sorte de charade. Allez, j'ai une branche qui dépasse. Moi, je vais déjà lancer LOL. Tu peux nous dire ce qu'il nous. Bah c'est même pas mignon, c'est ça le problème. C'est la fête du slip. C'est horrible. Mais non, mais. Ah, mais on a pas de chat aussi. Alors,
Fangrot, l'ami Fangrot, il a fait un vol. 3-3 maintenant, il est sur 9 des 10 kills de son équipe. Voilà, c'est ça. Il a trop de pression. Il a craqué. Trop de pression, Altab. Ça va bientôt être à moi. Bientôt, bientôt. Ouais, après, il y a une petite avance au goal maintenant pour les Playmobil. Mais là, toi, tu veux pas les arrêter en fait. Il essaye, il essaye. Ça me plaît, il est l'école du statique. Il va tirer au-dessus. Oh putain, c'est moqué de ses pressions. Je suis avec toi, mon gars. Vas-y, dis-moi où je pense, dis-moi. Là, tu te dégages juste un peu sur ta gauche. Tu restes là où ils tirent tout le temps, les gens. Ça, pour le coup, je trouve ça statique. C'est très discutable, Rapid Fire Cannon, parce que tu te. Ah ouais, ça un bot. Comme le principe de Sivir, c'est de mettre un. Est-ce que c'est un bot? On est dans le même. Ah bah. Le Rapid Fire Cannon, tu peux pas faire le reset auto vu que t'étais plus à la même range. Oui! C'est chacun à son optique. J'arrête plus là! Putain, il va tirer sur ta droite. C'est sûr, il va tirer sur ta droite. Lucarne droite. Sur ta droite. Il est moche, il est moche. Il y a pas vraiment de menace. Ma droite, ta droite. Lucarne droite. C'est l'avantage du lanceur fantôme. À part Gnar, mais bon, Gnar, il peut être à moitié étrange. Il y a pas de grosse menace là. Comment tu fais? Brent, c'est un truc à faire pour tes bols aussi. C'est vrai que le lanceur fantôme n'est pas optimal. Quoi ma manette? Il est en train de troll. Putain d'empreinte! Mais regarde-le! Putain! Mais non! Mais non! Mais non! T'en fous, j'ai la vidéo, je la poste sur eux. Réceptionné dans les deux silos de gras du ventre d'Aliatil. Là il s'est fait accueillir. Un centre. Putain. Oui! Quel voilà. Son de fils de pute! Tiens, regarde, moi je vais te le mettre là, pas d'un cas, mon gars. Dans les gros engages. Oh merde! Non, ça te voit trop ça. Bon, là, ils peuvent tenter quelque chose. Je t'ai niqué. Allez, je vais pas perdre, je vais pas être pas dégueulasse, je vais pas perdre. Le panique aura du sol quoi. Ça c'était le geste de la soirée, voilà, c'est bon. Je te branche ma manette sur ça s'il faut retirer beaucoup d'émotions. Mais putain, où est-ce que je la mets? 15, tu peux pas arrêter 1 sur les 15. La sortie bien sûr. Pas toute la nuit. Regarde-le lui! Putain, mais je suis hyper malchanceux! On va faire complètement le break, on va faire la rotation sur la botte. Il t'appelle le char à 8, c'est la honte de Kenigan. Philippe, pense à ta droite, à ta droite. À ta droite. Il s'escarpe pas dans la main, il est rentré chez lui honteux. C'était juste un honnêtement, juste Malaya la cible. T'as même retourné sur des bottes, putain. Et régène un petit peu plus sur cette auto-attaque. Eh, c'est reparti, retourne les serviettes. Bon, on va peut-être retirer une troisième fois. T'avances pour les Playmobil. Allez, c'est vas-y, à fond et bien. Faites-en un, s'il te plaît. Je veux juste que t'en as un. C'est incroyable. Ouais. Playmobil, là, ça se passe pas. Putain, au bout d'une série de 12-10. Voilà, les cheveux bleus, putain. T'as mis tellement de comme ça. T'as arrêté un pénal, t'es que devenu un super saiyan. Ah, le mec, c'est obligé, je poste cette vidéo sur YouTube. Il est passé, c'est un bon niveau. Plus 10 minutes de pénalty, quoi. Il y a des HQ. Par contre, on a le de la norme. Tu vois ce genre de game, tous les sens. Il y a des finales là, je veux l'info. Agressif. Attends. Rockstiger, trop de pression. Super un rôle escaté un petit peu moins. Ils savent pas du rythme. Ils savent tout faire. C'est pas leur style de jeu principal, disons, le jeu aggro. Non. C'est plus jeu contrôle avec des tanks sur la top lane. Ça a toujours été un peu leur marque de fabrique. Excellentissime team fight. Une macro game ultra violente. Que tu peux pas. Enfin. Autant je voulais gagner le là où t'es le meilleur du monde. Hein, c'est quoi ça? Est-ce que c'est le problème? Putain, je crois même Scar, il en aurait peut-être un.